Alors, dans l'organisation, pour remplir un carnet de rendez-vous, ce n'est pas aussi simple que de mettre des cailloux dans un seau. Et même pour mettre des cailloux dans un seau, vous allez voir qu'il y a une méthodologie si vous voulez en mettre beaucoup. Et la méthodologie est la même pour le carnet de rendez-vous. Nous allons d'abord faire l'expérience en remplissant donc notre carnet de rendez-vous avec des petits cailloux. Donc notre seau avec des petits cailloux, puis après nous mettrons des moyens cailloux et nous mettrons après les gros rendez-vous, c'est-à-dire les gros cailloux par-dessus. Et vous verrez que nous n'arriverons pas à remplir notre seau pour lui éviter de déborder. Un carnet de rendez-vous, c'est exactement pareil. Si vous commencez à mettre des petits rendez-vous en premier, vous n'arriverez jamais à mettre dans votre carnet de rendez-vous après les gros rendez-vous, c'est-à-dire les gros cailloux. Donc, petite démonstration à l'appui. Donc, je mets en premier les petits rendez-vous, c'est-à-dire les petits cailloux. Voilà. Et après, je vais mettre les moyens, d'accord? J'essaie quand même de bien ranger, hein, parce que bon, quand même, on essaye de bien ranger tout ça pour que tout puisse peut-être y aller. Voilà. Donc, et là, et bien après, je vais mettre des gros rendez-vous. Et là, je m'aperçois que, et bien, je ne peux pas tout mettre. Alors maintenant, on va essayer de faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va mettre les gros cailloux en premier, les gros rendez-vous en premier, et puis les moyens au-dessus. Et après, on va mettre nos petits cailloux, nos petits rendez-vous qui vont, vous allez voir, s'organiser autour de nos gros cailloux rendez-vous. Alors, deuxième partie, on va mettre les gros rendez-vous en premier. Et puis après, nous allons mettre, entre les gros rendez-vous, nous allons mettre les moyens rendez-vous. Donc nous allons intercaler le mieux qu'on peut. On va les intercaler pour que, et vous voyez qu'ils se disposent assez facilement, donc au milieu des moyens donc, et des gros cailloux. Et maintenant on va mettre nos petits rendez-vous. Vous allez voir, les petits rendez-vous, ils vont s'organiser très simplement entre les gros et les grands et les moyens cailloux. Voilà. Et on va voir donc que tout va se mettre en place. Et mon seau ne va pas déborder. Donc, un carnet de rendez-vous, ça se gère exactement comme ça. Vous mettez d'abord vos gros rendez-vous, vos gros cailloux, après les moyens, cailloux, moyens rendez-vous, et après les petits. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gros rendez-vous? Peut-être qu'il faut se poser la question. Un gros rendez-vous, c'est un rendez-vous de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures. Un moyen rendez-vous, c'est 1 heure, 45 minutes. Et un petit rendez-vous, c'est 30 minutes ou 20 minutes.